un petit peu votre attention, ça va durer juste 3 minutes. Mais simplement pour ils sont beaux. Faire une petite présentation. Il y a quand même quelques fiches au cas où si j'oubliais certains points. Il y a un prompteur. Bon, tout d'abord, bienvenue à tous et merci d'être venus. Merci pour d'avoir donc réceptionné l'invitation et d'être venu, ça nous fait plaisir. On est heureux de vous accueillir ici donc, au sein de la nouvelle salle de marché de la Diamond Trading. On avait une salle qui était dans le centre de Nice. On a décidé un petit peu de s'agrandir et de venir ici. Et donc, pour les gens qui nous suivent depuis le départ, pour nous c'est une fierté un petit peu d'être ici et puis au fur et à mesure que les années avancent, d'évoluer, de grandir. Et donc voilà un peu ici ce que c'est notre nouveau bébé. Faut savoir une petite anecdote, Diamond Trading, ici, cette salle que vous voyez, devient aujourd'hui la plus grande salle de trading en France qui est ouverte aux traders particuliers et aux traders professionnels. Aujourd'hui, il existe différents types de salles de marché, qui sont des salles de marché privées. Ici, ce n'est pas une salle de marché privée, c'est une salle de marché publique. C'est-à-dire que les traders, que ce soit des particuliers ou des professionnels, pourront évoluer ici à côté de nous de façon à essayer d'optimiser leurs résultats. Et ça, il faut savoir que c'est un concept qui est énormément développé dans les pays anglo-saxons, surtout à Londres et aux Pays-Bas. Et on décide, nous, d'essayer de le développer en France. Alors, on est assez heureux et fiers de le faire à Nice, ici, sur la Côte d'Azur, qui est notre terre patrie. Différemment que Paris, qui est la capitale et qui est normalement, initialement, la place centrale française pour la finance, on a décidé de venir le faire ici et d'essayer de faire avancer la finance de marché à Nice et en tout cas, plus généralement, sur la Côte d'Azur. Donc, c'est ça qu'on voulait vous dire. Un autre petit point, donc vous présentez Diamond Trading pour les gens qui ne connaissent pas. Diamond Trading, il faut savoir une chose, à côté de sa gestion privée, parce qu'on est une équipe de traders que je suis fier de représenter ici et auquel, à côté du milieu professionnel, on est tous des amis, que ce soit Florian qui est ici, Maxime qui a été l'année dernière nommé en France champion des duels de trading, donc c'est quand même quelque chose qui est assez nommé et renommé. On a Grégory qui est ici, et on a Cyril, et avec moi-même, et Adeline qui s'occupe ici de notre marketing. Voilà, on est heureux, notre équipe toute complète, eh ben, de vous accueillir, et on va vous présenter un petit peu ce que c'est Diamond Trading, et vous présenter un petit peu nos concepts. Donc, Diamond Trading à côté de sa gestion privée, donc gestion privée parce qu'on a notre fonds privé d'investissement qui s'appelle Harmonium Capital, et aujourd'hui on est aussi heureux de sceller un partenariat qu'on a avec l'équipe du cabinet Pierre Botteau, avec Monsieur Pierre Botteau qui est ici présent avec nous, et Monsieur Nathan Taffer, avec qui on va... avec qui on est heureux de faire un partenariat, à savoir de s'occuper de toute la partie gestion traditionnelle, gestion spéculative sur les marchés financiers. On est heureux de leur confiance qu'ils nous ont témoigné et donc nous voulons les remercier d'être présents ici et les remercier de la confiance qu'ils nous octroient. Nathan dira un petit mot sur cette partie-là de gestion au sein de l'équipe du cabinet, du groupe cabinet Pierre Botteau. Donc Diamond Trading, à côté de cette gestion privée, c'est quoi? C'est un concept qu'on essaie de prendre des pays anglo-saxons, à savoir qu'on essaie de former les gens au trading, des traders particuliers et des traders professionnels qui veulent garder leur argent mais ne pas le donner en gestion traditionnelle. Et vous pouvez ici venir et essayer de vous faire former, bénéficier de notre pédagogie, bénéficier de tous nos outils pédagogiques afin d'essayer de comprendre la bourse et d'essayer de faire fructifier votre capital personnel. C'est ça notre idée, c'est essayer de vous accompagner, de vous faire comprendre comment les mécanismes boursiers, de façon à ce que vous aussi, vous deveniez des traders compétents. Aujourd'hui, on entend souvent les chiffres des personnes qui interviennent sur les marchés boursiers, 90% de traders perdants. Pourquoi? Parce que les gens décident d'y aller de manière autonome et d'y aller seuls. Ici, nous, on vous apprend un suivi de façon à derrière essayer d'être rentable. Voilà Diamond Trading ce que c'est. C'est essayer d'accompagner une équipe de traders, qu'ils gardent son capital et derrière qu'ils apprennent à intervenir sur les marchés boursiers. Le deuxième concept de Diamond Trading, c'est ici, vous pouvez venir évoluer en salle, dans notre salle de marché et réserver, louer votre salle, louer votre espace personnel. Comme ça, vous bénéficiez de l'infrastructure, vous bénéficiez des flux d'informations et surtout, vous bénéficiez des conseils de notre équipe de façon à essayer d'être optimal, d'être bon et en tout cas d'essayer d'être
aussi compétitifs que les traders qui vont être à la City, les traders qui vont être à New York. Et aujourd'hui, il n'y a pas spécialement une grande place financière à Paris. Essayons de faire en sorte qu'elle soit sur la Côte d'Azur. On a un bel espace, on est entre Monaco et Cannes. Eh bien, aujourd'hui, on est les premiers à décider d'ouvrir un grand espace. Et pourquoi pas essayer, pas loin de l'aéroport et pas loin de ces grandes villes, d'en faire le premier pôle financier, au moins de France. On verra pour la suite. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes à la soirée d'inauguration de la Diamond Training Academy, ici à Nice, avec Maxime Milcan, qu'on a retrouvé lors d'interviews qu'on a faites il y a quelques années maintenant, également lors d'événements. Tu t'es imposé notamment il y a un an à peu près, au Salon du Trading, 2015, ouais. À Paris. En ce moment, les marchés sont tendus, on a eu le Brexit, on a eu beaucoup de volatilité. Comment vous avez géré ça au sein de la Diamond Training Academy ? L'annonce, le jour de l'annonce, donc la nuit, on n'a absolument pas travaillé. Absolument aucune position en overnight, évidemment, c'est notre cœur de métier, c'est de faire vraiment du day trading sur des dynamiques de marché. Et là où le vote a été révélé, donc pendant la nuit, le matin à l'ouverture, nous on a vraiment, comme je te le disais un petit peu en préambule, on a vraiment attaqué l'Eurostock 50, tout simplement parce qu'il y avait eu un décalage beaucoup plus important sur l'Eurostock 50. On a vu entre le cours de fermeture à 22h et le cours d'ouverture à 8h du matin un décalage de 15% environ, avec des gros niveaux de soutien présents déjà au carnet d'ordre et présents sur les graphiques. Et du coup là, on s'est vraiment régalé à envoyer des paquets à l'achat sur toutes les corrections, qu'il y a eu un espèce de balayage. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette ouverture le matin entre 8h et même jusqu'à midi, parce que le marché après est vraiment remonté assez fort. Mais il y a eu des balayages pendant au moins 2-3 heures et c'était vraiment un régal pour se positionner. À bientôt. Nous sommes avec Grégory qui est formateur et associé au sein de la Diamond Training Academy. Vous inaugurez ce soir la nouvelle salle des marchés. Il y a 2 ans, Grégory, j'étais venu vous voir et vous nous aviez présenté justement les formations que vous dispensez, votre manière de trader et d'autres aspects, notamment les formations en ligne, etc. Comment a évolué tout cela au sein de ces 2 dernières années ? Plutôt positivement, dans le sens où on a de très bonnes retombées donc, sur notre formation, niveau pédagogie, etc., sur les carnets d'ordre. Donc c'est vrai qu'à la base, on est spécialisé carnet d'ordre. On a 7 marchés de prédilection on est assez satisfait de ces marchés-là par rapport à la volatilité, etc. Les dynamiques de marché sont très intéressantes sur ces 7 marchés-là. On a aussi évolué de notre côté sur les formations. J'irai plutôt sur les graphiques, puisqu'on a aussi de la demande sur les graphiques. Maintenant, il est vrai que le projet est essentiellement basé sur le carnet d'ordre, où notre méthodologie fonctionne maintenant depuis quelques années. On la peaufine de jour en jour par rapport à la volatilité, par rapport à ce qui se passe un petit peu dans le monde, notamment avec le Brexit, etc. Mais au niveau de la formation, on va dire que c'est une formation qui est abordable, que ce soit du débutant aux professionnels. Voilà, tout le monde retrouve son compte et on est très satisfait sur ce domaine-là. D'autant plus qu'on est 5, donc on peut tourner. On a différentes pédagogies sur les 5 personnes qui peuvent intervenir dans les cours, etc. Donc on a vraiment un contenu très professionnel. Ok. Marc-Antoine, tu es le responsable de la Diamond Training Academy. Ce soir, vous avez franchi une étape dans votre évolution puisque vous avez inauguré cette nouvelle salle de marché qui est conséquente. On est ici sur la promenade des Anglais à Nice. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement et comment tu qualifies justement cette avancée du projet ? Bien, comme je t'avais dit, on s'était rencontrés, on s'était vus il y a un an lors des duels de trading que Maxime de la Diamond avait gagné. Et je t'avais dit qu'on était en projet de monter une nouvelle salle. C'était un projet, on avait le projet de le monter sous un an. On avait trouvé pas mal de salles, on cherchait un beau cadre, c'est-à-dire qu'on cherchait quelque chose de bien exposé, accessible, en face de l'aéroport, proche de la gare et par conséquent aussi proche des sorties d'autoroute. On a trouvé un cadre idéal, on a trouvé une grande salle, 336 mètres carrés, vue sur mer. Et à partir du moment où on l'a trouvée, on a mis des mois à la trouver et ensuite, dès qu'elle était sur le marché, qu'on a pu postuler et qu'on l'a eue, eh bien on s'est dit
elle était pour la Diamond. Ça fait 2 ans qu'on avait monté notre salle dans le centre de Nice, qu'on voulait s'agrandir. On a mis le temps de le faire, mais on voulait vraiment, disons, avoir un beau produit, une belle salle, de façon à ce que les gens qui viennent se sentent évoluer comme une salle de marché, comme les salles, les arcades de trading de Londres. Et on pense avoir répondu à ce critère, à savoir avoir une salle qui soit compétitive, non pas simplement sur le plan national, mais sur le plan un petit peu européen. Donc c'est ça qu'on voulait, qu'on recherchait. Et aujourd'hui, quand les gens vont venir ici, ils vont vraiment se dire, ok, ça ressemble aux salles de Londres, et c'est ça qu'on voulait répliquer.